Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Donc qu'ai-je lu la semaine dernière? J'ai fini les 30 pages de L'étoile flamboyante de Nicolas Bouchard que je vous déconseillais de lire la semaine dernière. Les 30 dernières pages ne m'ont pas convaincue, c'est toujours dans la même veine, très cliché, très mal écrit. Mon cœur de fille sensible a été un peu ému à la fin, quand arrive la grande révélation, vu que vous le lirez pas, je vous le dis, en fait ils arrivent à mettre en rotation la planète, donc d'un coup il y a un lever de soleil, ce qu'il n'y a jamais eu sur la planète puisqu'elle ne tournait pas, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, donc là d'un coup il y a un lever de soleil, les glaces commencent à fondre, et oui, c'était un peu émouvant, mais c'est tout ce que je retiendrai de ce livre. Ensuite, mes lectures en cours. Je suis toujours en train de lire Vie imaginaire de Plutarque Amichon. Il y a beaucoup de lumière, donc je sais pas. J'essaie de vous le mettre à un endroit où vous pouvez le voir. Voilà. Donc Vie imaginaire de Plutarque Amichon. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait j'étais vraiment très fatiguée la semaine dernière. Donc dès que je commençais ma lecture, je m'endormais ou je comprenais pas ce que je lisais. Donc il fallait que je retourne en arrière, que je recommence. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait samedi. Après avoir dormi un peu, en fait j'ai recommencé le livre du début, parce que j'avais tout loupé, c'est l'impression que j'avais. Donc là je suis arrivée dans le premier extrait de texte, qui est un texte de Plutarque, donc Plutarque, un historien grec de la Rome antique. Donc il a écrit un recueil de vies de personnages illustres de son époque, et donc en fait à chaque fois dans ses biographies, il met deux hommes illustres en parallèle. Donc là, le texte que je lis, il met en parallèle Thésée, qui est le fondateur mythique d'Athènes, et Romulus, qui est le fondateur mythique de Rome. Voilà, donc c'est très intéressant, mais j'ai du mal avec le style antique, on va dire, oui, le style antique. En fait, j'ai l'impression que c'est mal traduit. Pourtant c'est Folio, Gallimard, bon je leur fais confiance sur la traduction. En fait, si vous avez fait du latin au collège ou au lycée ou autre, vous vous souvenez de la construction assez particulière de la langue latine, donc les terminaisons, pas vraiment d'ordre pour mettre les mots dans les phrases. Et en fait, quand je lis le texte, j'ai l'impression qu'il a été traduit littéralement, sans adapter le style au français. J'ai un peu l'impression de lire du Google Traduction, et du coup c'est difficile à lire. C'est intéressant, parce que voilà, Thésée est un héros mythique, pour le moment j'ai plus tard qu'à parler que de Thésée dans le texte, donc c'est un héros mythique, là il part en espèce de croisade, un peu comme Hercule quand il a fait ses 12 travaux, et c'est héroïque, donc c'est sympa à suivre, mais je suis tout le temps obligée de refaire des phrases françaises dans ma tête pour comprendre le texte. Sinon du coup, vu que j'ai avancé un peu, je peux vous parler un peu de l'organisation du livre, qui est sympa. Donc en fait, au début de l'extrait, on a une petite présentation de l'auteur, donc là de Plutarque en l'occurrence, et une présentation du livre duquel est extrait le texte qu'on va lire. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Donc là du coup, on explique ce que Plutarque a écrit, donc les vies imaginaires parallèles là, dont je vous parlais. Et ensuite on arrive au texte, et donc il y a des notes de fin de texte, voilà. Il y a toute une partie note à la fin qui nous aide à la lecture et à comprendre le texte, et c'est vraiment très bien fait. Donc je suis pressée de continuer ma lecture. Ensuite j'ai commencé L'Enchanteur de Barjavel. Alors on voit pas trop à cause de mon petit renard encore. Donc là j'ai lu 80 pages. Et alors là c'est tout le contraire, ça se lit hyper bien. Je trouve que Barjavel a su garder le style d'écriture qu'on lit habituellement lorsqu'on lit des histoires de chevaliers de la table ronde. Par exemple comme le style de Chrétien de Troyes dans Le Chevalier à la charrette ou des choses comme ça. Donc style un peu ancien français. Je suis pas trop sûre de ce que je vous avance, donc c'est pour ça que je m'aidais un peu. Mais il l'a bien modernisé. Et du coup on a les deux, on a l'ambiance avec des phrases simples à lire, un texte hyper fluide, et du coup c'est vraiment sympa à lire, j'aime beaucoup le personnage de Merlin, on n'a pas encore beaucoup vu les autres, mais je suis pressée de continuer ma lecture.
Donc voilà, en fait c'est tout pour cette semaine, parce que comme j'étais très fatiguée, j'ai pas beaucoup lu. Donc je vous fais une vidéo très courte. Je ne sais pas encore ce que je vais lire ensuite. En fait, j'ai envie de vous mettre à contribution. Je fais un challenge qui s'appelle Suivez le guide. Et je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous expliquer le principe du challenge. Et vous allez me choisir ma lecture. Voilà, donc rendez-vous dans la deuxième vidéo. À tout à l'heure!